Oh nickel, le nouveau pont directement, yes enfin! Oh mec, j'ai mis tant de temps à t'avoir. Fais ton bruit. Oh wow, le feu, le bruit. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, tout simplement, on va tester le fusil à pompe tactique. Devenez un expert du combat rapproché avec les nouvelles variantes épiques et légendaires du fusil à pompe tactique. Donc c'est parti. Ah ils ont changé. Ah du coup ils ont changé la. Ah ils ont changé. Ah c'est pas mal. Ah, en vrai ouais ok. Donc là il y a des nouveaux petits skins à ce que je vois. D'accord. Ouais très basique. D'ailleurs les gars n'hésitez pas à mettre le petit code créateur Cocteau. Ça prend juste 2 secondes. Et ça permet de financer comme vous le savez le live cuisine qui arrive très 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 vite. Juste cette table en imaginons c'est 90 € cette cam par exemple. C'est combien ça la 90, le trépied c'est 50. Bref tout ça, tous les trucs que vous voyez, ça va servir pour les live cuisine. Donc si vous prenez 2 secondes à mettre le petit code créateur Cocteau, ça fait toujours plaisir. Au niveau de la compétition, alors. C'est buggé. Il y a un tournoi qui est exprès pour les Xbox. Je trouve ça un petit peu pas normal dans le sens où quand on interdit les manettes à des compétitions, ça gueule. Mais quand on fait des compétitions exprès pour les Xbox, ça me dérange un petit peu. Mais bon, bref, au pire, je m'en bats les couilles parce que moi, je suis éclaté au sol. Et les compétitions, je ne les fais pas. Au niveau des défis, il n'y a rien de nouveau. Le pass de combat dans 14 jours, c'est terminé. Les modes de jeu, rien de nouveau. Bref, du coup, on est directement parti en solo. Voilà. Et juste après avoir fini de tourner cette vidéo, je serai en live sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. Voilà. En description, il y a la chaîne Twitch. Donc, n'hésitez pas à venir regarder mon petit stream. S'il y en a qui ont des questions, qui veulent venir parler. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Bon visionnage. Du coup, les gars, on est parti. On va directement à la fatale. D'ailleurs, aussi, Prisoner Plant qui a été changé. Alors, attendez, je crois que j'avais une petite photo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, là, on avait le nounours. En vrai, ils ont fait un truc bah, un peu gamin. Même. On dirait un Transformers un petit peu. Donc, voilà. Avec tomate et burger au pied. Bref. Hâte de voir ce que ça va donner pendant l'événement. D'ailleurs, je serai en live Twitch. Le lien est en description. Ce sera samedi à 20 h. Donc, voilà. Donc au niveau du patch, le pompe de guerre qui a été vraiment nerf au niveau des dégâts à longue distance, ça paraît normal. Et aussi ils ont. Ah oui, le sniper coup par coup silencieux qui a été enlevé, qui a été rajouté par le sniper normal et qui est beaucoup mieux au niveau du son je trouve. Et bien sûr le pompe tactique légendaire et épique que je n'ai toujours pas trouvé au bout de 10 games. Parce que ce jeu ne veut pas me le donner tout simplement. Et je peux être sûr qu'une fois que je retourne la vidéo, j'en aurai mes H24. Bref. Bah c'est parti, Fatal, en vrai j'aime bien le spawn Fatal honnêtement. D'ailleurs cette saison 10 elle approche vite, je sais pas ce que vous attendez comme changement. Alors pour ceux qui me demandent des fois que ce soit en live ou tout, je vais répondre en vidéo. Moi ce que je voudrais, c'est vraiment un truc où quand je rejoue je me dis ah c'est autre chose, parce que honnêtement la map elle change un peu, bon voilà. Honnêtement en une... Merde j'ai oublié de sauter, je suis trop con. Bon voilà, on va la plus hein. Bah en fait, comment dire, on s'habitue trop vite et c'est trop simple. Ah mais j'ai sauté. Oh là là, mon cerveau! Oh mon cerveau ce matin! What the fuck? Il est ravagé par les asticots, mon cerveau là! What the fuck? Oh là 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 là! Ah oh, désolé les gars, mon cerveau qui est ravagé là! What the fuck? D'ailleurs, j'espère que vous aimez le nouvel angle de cam que j'ai rajouté à votre droite. Bon, ça c'est grâce à soutien à un créateur. Comme je vous l'ai dit, bah, quand vous le mettez, bah, ça me soutient et ça permet de faire évoluer les choses. C'est pas que du blabla, c'est pas que des mots et que des blablabla. C'est aussi de la réalité. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre le petit code créateur Cocteau qui permet de faire. Alors toi déjà, qu'est-ce que tu branles là? Alors tu vois, genre typique du genre de mec qui me saoule. Ah ouais, donc. Ah si pareil, il a bien été patch. Bon en vrai là. C'est. Je pense que c'est dégueulasse comme méta en mode. Bah j'ai spammé beaucoup plus que lui donc j'ai gagné quoi. C'est genre. Enfin c'est exactement ça la méta actuelle et. Et c'est une méta qui me dégoûte, je peux vous mentir un petit peu, qui dégoûte un peu tous les joueurs qui datent sur le jeu. Hein. Je fais kiffer aussi. Ah ouais, il fait carrément moins de dégâts, on va pas se mentir. Il fait clairement moins de dégâts le. Il est où? Ah si, nickel! J'ai quoi? Du coup, les live cuisine, ouais, c'est un projet que j'avais envie de faire dans le sens où Fortnite ça me saoule un petit peu. Et je voulais essayer d'innover, de partir sur d'autres horizons, de sortir de ma zone de confort un petit peu parce que honnêtement, toujours faire du gaming, c'est entre guillemets la facilité, on va pas se mentir, le gaming, honnêtement, c'est tu lances ton jeu, tu commentes et t'es fort ou t'es mauvais quoi.
Alors que la cuisine, bah, ça sera plus de. Oh non, mais ouais. C'est ma gueule là. C'est du foutage de gueule ce qui se passe, non? Oh, le mec, il met des balles et il se dit, bah, je vais me casser, toi. Irrespectueux. Ah, il va être là, je pense. Ah, t'arrives pas. Hop là, anonyme là, en plus anonyme là, et tu te crois pour une star ou quoi? Bref, du coup, je disais, c'est important de sortir de sa zone de confort aussi, bah, pour pouvoir évoluer et pouvoir proposer des choses différentes. Donc voilà. Bref, en vrai, le pompe de guerre, le nerf, mais ça se sent pas trop, faudrait vraiment voir à longue distance. Donc voilà. Ça, c'est entre guillemets mon plus gros projet, donc, mais c'est vrai que ça coûte cher parce que par exemple, juste dites-vous que la table que vous voyez derrière moi là, juste un plateau comme ça vaut 90 euros. Et juste des pieds de table, j'en ai dû en acheter 4, ça vaut 40 euros. C'est... Honnêtement, c'est là où je me rends compte du prix de la vie. Ouais, en vrai, honnêtement, il met un peu moins de dégâts, ça se sent. Ouais, un petit peu moins, je dirais. Alors, il met un peu moins, ouais, honnêtement, il met un peu moins, je pense. Bon, c'est pas non plus flagrant, hein. Mais, des petits dégâts, moi. On n'arrive pas à le trouver, par contre, ce pompe. Hein. Personne ne le veut, quoi. Je sais même pas si c'est sorti. Donc voilà, genre, c'est là où tu te rends compte que ça coûte cher. Rien que des ustensiles de cuisine, ils ont dû pour plus de 100 balles. Après, vous voyez, comme je disais en live, les ustensiles de cuisine, je m'en servirai aussi dans ma vie personnelle. Et je les aurais certainement achetés dans ma vie personnelle. Donc ça, c'est un investissement qui, voilà. Mais la table, je l'aurais jamais acheté de la vie. J'ai pas fait des live cuisine. En fait, c'est une table que je pourrais hausse pour avoir un bon plan de cam. Et du coup, bah vu que j'ai acheté deux cams pour la live cuisine, j'en profite tant que je ne fais pas encore la live cuisine pour avoir... Cette petite cam là, je sais pas si elle vous plaît, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je trouve ça sympa, ça rajoute. Enfin, j'avais une caméra, j'avais un trépied, autant l'utiliser, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc voilà, ça rajoute un petit peu un autre visuel. Et vu que bah, quand je me promène comme ça, vous pouvez voir autre chose. Et donc voilà, si on a pas mal qui se demandent bah, comment est positionné mon setup, ou même juste qui veulent voir comment je déplace ma souris. Parce que, voilà. Ah ouais, déjà. Wouah, ce qui m'a mis! C'est toujours comme ça dans le jeu, de toute façon. On va pas se mentir, les gars, c'est toujours comme ça. C'est toujours le bisou. Ah ouais, je me suis volé mon goûter à la récré, je vous promets. Ah, c'est bon. Il rend pas fou, sinon. Il est nul, c'est ça qui rend fou dans le jeu. C'est que maintenant, nul fort, mais bat les couilles d'être nul ou d'être fort. T'es nul, tu peux gagner, t'es fort, tu peux gagner. Oh, j'ai pété pas le bro. Wouah, mec, c'est quoi ce pompe en face? What the fuck? J'ai loupé trop de balles aussi. Oh là là, un kill. Bref, on va passer directement à la deuxième game en espérant la trouver. Et là, je vous mettrai directement le gameplay quand je la trouve. Hop, oh, il a le mode sans su qui fait directement. Il fait. Putain, j'aime ça. Calme-toi, on a un arène, ok. Allez, Mercury Tiger, ça dégage. Ah, en vrai, il a bien joué, honnêtement. Hein. Ah ouais, les dégâts qui ont été bien enlevés. Hein. Et les dégâts, mon gars, mais ça n'a rien à voir. On est sur un autre jeu. On est clairement sur un autre jeu. Je suis désolé de vous le dire, mais on est clairement sur un autre jeu, what the fuck. Ah, les dégâts ont vraiment été patch. Hein. Bon, après, c'est normal. Hein, soit, là-dessus, je suis vraiment content, mais... Ah c'est vrai que quand t'as l'habitude de rentrer des gros moins 75 à 20 mètres et que tu rentres des 40, bah ça fait la diff quoi. Allez chiant, il a pas de plan.
Oh là là, le backstab parfait. Bon, je lui sauve la vie avec le piège aussi. Hein. On va pas se mentir. Et... Oh, nickel, le nouveau pompe directement. Yes, enfin. Oh mec, j'ai mis tant de temps à t'avoir. Fais ton bruit. Oh, wow, le feu que le bruit. Attends, je vais descendre un petit peu là, je le sens pas trop là. Ah, ça m'aurait étonné. Ah putain, mais. Et ça fait des dégâts, mec. Ah ouais, d'accord. Bref, il est fort. Non, en vrai, honnêtement, il est fort. Après, ça reste une arme assez banale, vous l'avez vu, elle a mis un 84. Je pense que ce sera un mélange entre le pompe tactique. En fait, c'est un pompe qui spam et qui fait des dégâts. Bref, rien d'incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, vite fait, on va aller tester ça en créatif. Mode créatif, accepté. On va tester ça vite fait en créatif et je vous dis ça. Donc, du coup, on va dans mon île 1v1. D'ailleurs, c'est un mec qui veut faire des 1v1 contre moi, les gars. Il faut tout simplement que vous me. Comment dire ? Attendez. Et il est où le pompe ? Il faut tout simplement que vous venez sur mon live Twitch. Des fois, je fais des 1v1. Du coup, on va tester là. C'est vrai qu'un pompe de guerre, la différence. Faites voir les DPS un petit peu. Alors, jouez. DPS 130,5. Ouais, donc. Bah, les DPS. C'est bien les tirs par seconde. Du coup, il tirerait plus vite que lui, d'accord. Les dégâts 80, lui 87. Cadence de tir 1,5. Lui, il tire quand même un peu plus vite. Le chargeur 10, 8. 5,1. Bon, en vrai, il a l'air. Bah, en fait, au corps à corps, le viseur est moins. Regardez, le viseur est tout petit et là, il est beaucoup plus gros. Donc, honnêtement, je pense que c'est un peu un pompe de corps à corps. Il est mieux que le tactique, honnêtement, ça, y a pas photo. Bref, un pompe qui reste quand même pas mal. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Surtout, les gars, important, juste au moment où regardez cette vidéo, je suis en live sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à aller checker, ça prend juste 2 secondes. Venir discuter, surtout que bah, c'est chillax. Allez, les gars, bon visionnage en espérant que tout ce qui va arriver va vous plaire.